Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light. On est toujours avec Katox et comme vous vous en doutez, j'ai un lance-flamme aux fesses. Salut Katox. Salut. Toi ici. Witness. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ouais. J'avais réussi à presque te semer. On regarde d'avoir un bâtiment là, on peut pas passer. C'était un arbre. Non. C'est bon, je l'ai eu. Sérieux quoi. Ta faiblesse a été l'arbre. C'est ça. Heureusement il n'y en a pas beaucoup sur cette carte. Merde, bon, bah, désolé, ça c'était pas un zombie, c'était un survivant. Je m'excuse. Il est où ce foutu tunnel ferroviaire, sérieusement quoi. Wow. C'est un mur ici là, on peut pas passer. Team Tolga, I'm near the tunnel. Where'd you say you were? Really, Craig? It is not obvious. Now who's getting him confused, buddy? Try to get those synapses firing, Craig. Ah, le wagon, bien sûr. Puis c'est l'autre côté du wagon, bien entendu. Ah oui, c'est une zone sécurisée avec les petits plots par terre. Très très bien. Oh, ça va être électrifié. Aïe, c'est électrifié. Effectivement. Bon, qu'est-ce que vous branlez encore? Congratulations, you made it. I'd wager you've forgotten about our secret project already, yes? We're just trying to kickstart it. Your mind won't be able to comprehend the grandeur of its concept. And the result will give you a heart attack. Once it's complete, that is. For now, we just need some junk, metal parts, scraps. And tape. And nails. Can you remember all that? You should take notes. Better yet, use crayons and draw. Oh, also, take that Geiger counter with you, in case of radiation. Don't thank us. Radiation? What radiation? The army could have left some surprises behind. Fatin, tell him. Relax, Crane. Just. Non, non, qu'est-ce que c'est que ce point encore? You got everything. We might have underestimated you. Bon, j'avais du stock. We certainly didn't overestimate him. I took a look, guys. It's all there. So what's this secret plan of yours? Steels. We'll be in touch. You be in touch, Tolga. I'll be too busy working. Tout ça pour ça? Inutile au possible, quoi. Tout ça pour ça? On a fait la moitié de la map. Ils sont vraiment pas sortables, putain. C'est quoi ce truc encore? Ils sont en train de nous fabriquer une fusée sur une petite automobile, quoi. Escape pod. Escape pod. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, c'est comme une quête. Sur ce truc-là. Boîte mystère. Compteur GGR. Ah, on n'a pas pris le compteur GGR du coup. Pas sûr qu'il nous servira des masses, mais bon. Vous connaissez le meilleur truc? Non. Là, la prochaine quête possible, c'est soit nettoyer un truc de rapace, soit remonter, aller à l'opposé de là où on est. Normal. Écoute, je vais prendre mon point de compétence. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Bricoleur. Ouais. Meilleur nitro. Zone sécurité UV. Une zone sécurisée autour du buggy avec les phares UV. C'est pas mal ça? T'as pas pris ça? Oh, pas encore, je préfère. Oui, j'imagine que avoir... l'habitacle électrifié et le lance-flamme te paraissait plus intéressant. Et ouais. Pas besoin de. Pas besoin de défense, zone sécurisée quoi, quand on peut cramer les nids. Exactement. J'ai besoin d'aide pour sauver l'hôtel. Bah écoute. Hop là. C'était pas exactement ça. Où est-ce qu'il est l'hôtel avec son hôtel? Bon, je prends le sens. Putain, mais vous êtes de l'autre côté de l'eau, vous êtes sérieux?
ça devait fonctionner. Ah merde, il y a des barbelés. Fumier. T'as besoin de carburant? Moi aussi. Ça commence à être un petit peu lardèche. Ouais, c'est ça, tu refais, je refais le plein. C'est sûr que c'est la bonne zone. Monter un petit peu les capots pour combler. On peut pas rentrer là-dedans. Si, c'est une zone sécurisée, ouais, c'est une zone sécurisée. On s'en fout. Un largage aérien. Il est loin. Ouais. Ça fait une traite. Mais il y a des fournitures militaires et des personnes disparues sur le chemin, cela dit. Si ça te tente. Bon, on va chercher la personne disparue. La voiture elle est là. On peut se faire le largage aérien sur le chemin. Puis... Hop là. J'ai un canne d'essence, mais je viens d'aller en récupérer full. T'es arrivé? Tu t'es auto-cramé la tronche? Non, non, je crois que tu vas voir mon ami Billy. Ah, salut Billy. Et bonjour à Billy. Coucou Billy. Il me laissant un caillou ce con. Voilà, au moins il est un peu occupé. Putain, par contre, il y a autre con qui court là. Attention, recule! Parfait. Comment ça se fait qu'il y a quand même la moitié du truc qui a été pillé quoi? Sérieux. Il y avait des méchants. Ah, il y avait des méchants en plus de la grosse saloperie. Bon, il leur faut 9 jerrycans d'essence, ça veut dire qu'il faut qu'on aille piller un peu les... Bah ils ont dit qu'on pouvait aller dans la zone de quarantaine, alors moi je suis assez curieux quand même de savoir hein, comment on fait. Je suis surtout curieux de savoir combien il leur en faut. Pourquoi vous vous énervez comme ça les gars là? Chill, y'a pas de problème. Franchement, on va bien. Regarde, voilà, t'es mort. Alors, je vais déverrouiller ce truc. Par ici. Un peu plus. Ah, raté. Allez, on l'a là. Voilà. C'est bon pour la Silas. Et moi il me dit 12 jerrycans d'essence quoi. Sérieux, 12 jerrycans d'essence. C'est la fête. Ils se font plaisir les cocos. Bon, je vais voir le coffre ici. Il y a une peinture là si tu veux à côté de la bagnole militaire. J'arrive. Tu vas voir quoi? Attends. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans la zone de quarantaine? Je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser 2 secondes. On va y aller. Parce que ça m'a pas l'air totalement évident quoi.
Je crois que c'est peut-être eux qui nous feront rentrer dans la zone de quarantaine, non? Parce que là... Je sais pas, ils nous ont dit, on a besoin de carburant, allez dans la zone de quarantaine, donc c'était quand même plutôt... Ouais, bah là je sais pas, moi j'ai 12 jerrycans de carburant, faut pas leur demander plus. Ouais, bah on peut leur ramener, on est d'accord. Ouais, juste faire le tour, voir si encore... Après, du coup, on est passé, on s'est pas arrêté pour la personne disparue et une mission militaire spéciale. On peut s'arrêter sur le trajet pour la personne disparue. Je vais jeter un œil. Oh non, le gros Dark Pop, juste à côté de la voiture. Oh, mais laisse-moi tranquille, BG. Écoute, c'est parce qu'il s'appelle Bob, s'il l'appelait Bob. Voilà. Salut Bob. Adieu Bob. Au revoir Bob. Ça c'est fait. Attends, je galère à le prendre là. Voilà. Ah mais t'es pas morte là. Désolé. Je m'en veux de ne pas t'avoir. Ouais. Freins militaires expérimentaux. Ça envoie du rêve. C'est bien ça, je vais voir si je peux le craft. Je sais pas si tu utilises très souvent les freins par contre. Toujours. Très régulièrement. Une fois par jour environ. Pour maintenir la forme. Alors du coup ils sont craftables? Ils sont craftables. J'attendrai d'avoir tous les plans pour faire tout. Ouais, le. Faut le fabriquer depuis le menu de la voiture, c'est ça? Ouais. Pièce de frein. Frein militaire expérimentaux. Freinage plus 34. Ah oui! C'est pas mal. Et si tu vas pas trop trop vite, la voiture elle se cale sur les rails ici. Ouais, j'ai vu ça. Oula, j'allais peut-être un petit peu vite parce que par contre les freins sur les rails c'est pas ça. Aïe aïe. Qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Oh putain, ils sont en train de faire un train en roquette pour défoncer le mur qui est là-bas. Pareil. Ah ouais, j'avoue, il y a un bélier et tout devant là. Ça sent le plan foireux. Mais tellement drôle. Rouvre. Rouvre. Il a de la gueule. Il a refermé ce con. Ah ouais. Rouvre. You found it. Splendid. Yeah, I'm thrilled to help as usual. So now what? Now you let us work. Mais bon. In peace. Shoo. But don't let shiny objects distract you too. C'est fatigant. Ce sera quoi, 3 pommes? Ah putain. Ils me font marrer moi. Ah, allez, on avait plus d'essence. Merde, putain. Du coup, en fait, on s'était pas arrêté pour. Ah, si, une personne disparue là. Ah, oui, c'est vrai, on s'est pas arrêté. On a pas fait la personne disparue qui était près des militaires. Hein. Je sais pas. On peut y aller, on a une qui rentre juste en dessous aussi. Rien que les poteaux électriques de train, ils sont badass hein, dans ce pays. Ouais. Ils sont tous avec des pics et... Ah ils sont bien faits. Merde putain, j'ai complètement... Fallait pas suivre la voie tout le temps. Fallait tourner hein. Bim. Ah. Tiens, c'est cadeau. Ouais, elle encore était... Elle était par là. Ah.
about it, the project's not happening. But hurry! In here. Just found one of your missing person cases. Dead. We appreciate you letting us know. Donc il leur faut quoi à ces deux-là? Alors ouais, du coup j'ai pas activé la quête là. Le train fusée, t'as raison. Hein. Récupérer le tuyau de carburant sur l'épave de l'avion des jumeaux. Et bah go. Allez. Ça va, c'est pas trop loin pour une fois. On parle d'un train fusée, moi je sais. Tu m'étonnes. Yahoo. Ah ben, on ouais. Traverser l'eau. Putain, on va faire. Ouais, c'est traverser l'eau. Pas. Ouais, on peut faire le tour. Lac. On peut faire le tour. Autant de faire le tour par là. Ça, c'est une vraie idée. J'ai un petit peu accroché la roue. Mes nouvelles pièces sont costaudes. Ça grince un peu, mais ça résiste. Là, par contre, ça peut-être tombe bien. Ah, ok. Bon, bah, quand tu tombes d'un canyon, si t'atterris sur le toit, la bagnole encaisse. C'est nickel. Comment on va faire passer cette connerie là? Qu'est-ce que c'est que ce vieux canyon de l'enfer? Oh merde. Oh, j'ai réussi à passer. Je crois que je suis tombé dans l'eau. C'est le super canyon tout opaque là. Ouais, faut que je fasse le tour par là. Alors par contre, ouais, merci. Sérieux, mais il y a moyen de passer quand même. Quelque part. Bordel. Ah. Il y a une petite route là. Qui amène dans l'eau. Non, sérieux? Mais t'es passé par là. C'est bon, je vais. Merci, parce que j'avoue que là je ne trouvais pas comment traverser ce putain de lac, quoi. Enfin de rivière. Mais t'as, pourtant t'as un passage à sec. Hein. Ouais, mais je n'ai pas dû aller assez loin, je ne trouvais pas. Pourtant je suivais une route et la route elle se termine dans la flotte. Bah, du coup je vais aller pas par là, je vais aller parler aux frères. Vite fait. Pas passé. Voilà. Ah mais quel enfer, je suis pas en forme aujourd'hui. Je sens que je commence à fatiguer un peu là. Une cartographie, c'est pas évident. Ouais, non, ça devient compliqué, hein. je confirme. Avec cette putain de bagnole qui accroche le moindre caillou en plus là. Mais je roule en ligne droite et je me fais complètement éjecter quoi. C'est n'importe quoi. Je crois que je suis coincé dans leur truc de. C'est pas du tout. Ça y est. Je suis coincé dans leur parking, dans leur parcours de vitesse là, je ne sais quoi. Ah oui, je t'ai vu passer dans la petite boucle. Oh quel enfer. Je viens de casser. Bon, tant pis, elle restera là la voiture. J'arrive. Tu peux te téléporter normalement, si tu veux. Téléportation. This is what you needed, right? Thanks!
And now prepare your feeble little mind, Crane. You are about to learn of our plan. And your brain is going to explode. All right, get on with it. Get ready. To be amazed. We made a rocket wagon. A loco rocket. A turbo train. A jet rail vehicle. We have three seats. We'll break through the barricade in the tunnel. To the other side. And you will be there with us. You're going to use a train as a battering ram. With you inside, really? Moi j'y vais, moi j'essaye. Come on, Fatih. Carrément. I told you his limited intellect couldn't embrace this idea. Of course, what could possibly go wrong? Then look on our works, ye monkey, and despair. Because you won't get another chance. That's correct. You won't. Yeah, I know I won't, because there's no way you'll survive. You man of weak faith. And weak mind. Here, take this hacking tool. We'll no longer have use for it. Maybe you'll find some of the chests we threw out of the airplane before the crash. With your tracking device and this thing, even you can crack them open. Inside, you'll find a true display of our genius and brilliance. If you can understand it. Which is... C'est quoi cette phrase de fin? Vas-y, moi je monte dessus. Putain, ils ont mis des réacteurs et tout quoi. Mais sérieux, on va pour y aller quand même, non? Ouais, il va falloir, je suis sûr qu'il faut qu'on quitte. Ready, Tolga? 3, 2, 1! Notamment même le flamme de jet, ça fait mal. Ah, et puis moi j'étais dessus, mais il a glissé du coup. Moi j'ai pas vu ce que ça faisait, parce que je suis décédé. Ouais, et puis t'es mort instantanément quoi. Bah écoute, je vais... Teen, Tolga, come in, you guys okay? Ici. Hey! Jesus. Well, rest in peace, guys. Bah ça s'est effondré derrière eux en fait. Alors, grosse déception. Ou avec eux dedans? Bah derrière eux ou avec eux dedans, ouais, difficile à dire. Ce serait pour moi, c'est... Y a pas de problème de train. Hein. Ça se trouve ils se sont barrés ces petits là. Ah ouais, ça se trouve ils sont en train de foncer derrière, devant l'éboulement, en train de s'enfuir devant l'éboulement. Hein. Ouais. Ah ils ont vidé leur escape pod. Hein. Alors du coup ils nous ont filé leur machin ou c'est encore un truc qu'il faut qu'on ramasse quelque part, non? Ils nous ont filé... Ouais, je l'ai ramassé sur l'établi là. Ah tu l'as ramassé, ok. Ah j'ai un plan. C'est quoi? Plan, c'est juste super zombie grenade. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je la retrouve. Jésus, super zombie grenade. Ça doit être là. Amélioration de buggy. Ah, c'est tout en bas. Plan développeur. It's a super zombie. Alors, j'en fabrique une. Des plans, je peux en fabriquer une seule, moi. Ça coûte hyper cher. Et t'en as 8. Tu vas essayer d'en lancer une? Je sens que tu vas essayer d'en lancer une. Moi, j'ai la fumée à faire par là. Je suis un peu déçu. Je vais te le claquer sur un zombie. C'est chaud de le claquer sur eux. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un truc super zombie, donc peut-être que ça les transforme en super zombie ou un truc du style. Faut que je trouve un lent. Et bien un paquet de zombies par là qui sont pas encore activés et qui ne courent pas dessus quoi. Ah, vous êtes sérieux? Il y en a un là-bas, un zombie tout seul là. Sérieux? C'est n'importe quoi. Mais pourquoi? Attends, il y a un méga groupe de zombies par là, on va se marrer. Ça sert à rien du tout. En plus, j'ai vraiment cru que
Ça allait genre, alors, il allait tomber sur l'autre et un truc du style quoi, mais... Oh non mais sérieusement... Il va y avoir une référence avec Chietsu là, qui m'échappe dans un film ou un truc du style. Ah, peut-être bien. Notre ado l'a claqué vraiment sur ce endroit où t'as plein de zonzons quoi. Genre dans les champs là, tu vois. En plus ça les tue même pas, regarde, il est retombé sur la grille, ça l'a même pas tué du coup. C'est abusé. Bon, on va vraiment trouver les autres parce que ça peut être vachement drôle. Ouais, non mais on sent qu'il y a du potentiel quoi. J'entends que tu fais crier les gens. Bon bah écoute, je pense qu'on va profiter de cette petite pause pour s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez de la Chietsu Super Zombie Bombe. Et bah on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.